Salut à toutes, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo destinée aux pré-mamans ou bien aux nouvelles mamans comme moi. Je voudrais partager avec vous mes achats pour le bébé. Donc cette fois-ci c'est pas un haul ou quoi que ce soit, mais j'ai fait ce qu'on appelle une liste de naissance assez complète. Donc ça m'a pris un temps fou pour vous faire cette liste. Je l'ai faite premièrement pour moi et pour vous aussi, pour vous faciliter la tâche si vous avez envie de savoir ce qui est nécessaire pour un bébé, etc. Pour accueillir un bébé avec du confort, etc. Sans avoir à se casser la tête et se dire « Ah tiens, il me faut ceci, et dernière minute, il faut l'acheter, etc. » Donc comme je suis quelqu'un de très organisé, j'ai dressé ça sur une liste sur mon ordinateur et chaque fois que j'achetais le truc, donc je cochais, ça m'a pris un temps fou pour la faire parce que je voulais pas acheter des trucs qui servaient peut-être à rien. Je voulais aussi acheter des trucs de qualité, de bonne marque, qui sont assez cotés quoi. Et aussi qui coûtent pas cher, donc il fallait vraiment rechercher sur les sites pour voir est-ce qu'il y a une différence entre le supermarché et les sites internet, pour voir qu'est-ce qui est le moins cher, etc., en incluant les frais de livraison, etc. Donc j'ai fait de mon mieux pour, disons, optimiser mes achats. Enfin, je vais essayer de partager tout ça, mais ça sera en plusieurs parties. Donc on fera une partie pour la chambre, pour que le bébé puisse bien dormir, etc. Une partie pour les vêtements, etc. Une partie pour, je dirais, pour la toilette du bébé. Une partie pour la nourriture du bébé, pour la sécurité, etc. etc. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, la déco est un petit peu différente. Je suis dans ma cuisine et comme vous pouvez le comprendre, ça sera la partie nourriture bébé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ma liste de naissance pour la nourriture du bébé, pour qu'il soit bien nourri. J'ai acheté un tire-lait manuel de chez Philips Avent. Donc Philips Avent, c'est une marque qui est super bien cotée. Je dirais qu'il y a de très bons commentaires. Les gens qui l'ont testé, c'est clair que c'est un petit peu cher, mais je pense que comparé à Tommy Tippy, je pense que c'est mieux d'avoir des Philips Avent que des Tommy Tippy. Enfin bref, j'ai acheté le tire-lait maternel qui est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il est petit, 125 ml. Ça c'est pas en fait pour quand je l'ai le lait ou quoi que ce soit. Ça c'est juste pour soi-disant stimuler le lait au cas où j'aurai des je dirais des engorgements ou un truc comme ça. Donc ça va m'aider je dirais à mieux allaiter quoi. Donc celui-ci vient comme ceci avec une tétine de plus qui vient avec. Je l'ai acheté sur Amazon.fr, donc la plupart des choses je les ai eues sur Amazon parce que ça coûtait moins cher par rapport à Carrefour ici ou par rapport à d'autres sites. Donc le premier c'était le tire-lait. Pour avoir une idée sur les prix, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous allez trouver les liens et vous allez aussi trouver ma liste de naissance en téléchargement. Je vous mettrai un lien, vous pouvez la télécharger comme ça. Vous n'avez qu'à cocher ou supprimer ou rajouter des choses qui vous intéressent. Donc après l'allaitement, bon... après le tire-lait maternel, j'ai acheté des tétines de chez aussi Philips Avent. Donc ça se vend par une paire de deux, donc voilà. J'en ai pris une de 0,6 mois, plutôt deux de 0,6 mois qui sont comme ceci. Et deux autres de, je dirais, plus de 6 mois, donc voilà. Donc j'ai pris les deux. Et bien sûr, quand vous achetez des tétines, vous êtes obligé d'avoir un attache tétine, comme ça vous perdez pas la tétine quelque part dans le lit ou je sais pas moi. Donc voilà, c'est un petit attache tétine que j'ai acheté sur Amazon aussi de la marque Nuc. Et voilà, cette tétine là vient avec le tire-lait, donc en tout ça fait 5 tétines pour le moment. J'espère que j'en aurai pas besoin de plus. Mais franchement, les tétines sont vraiment nickel, elles sont aérées soi-disant, parce qu'elles laissent soi-disant l'air passer ici, ça... et elles sont conçues de façon à ne pas toucher le nez du bébé.
Je dirais pour la taille, je trouve ça pas très gênant. Elles sont de taille normale. Parce que j'aime pas les très grosses titines, pour, les très grosses sucettes pour les enfants. C'est pas terrible. Je pense que c'est gênant. Donc après les tétines, vient le tour des biberons. Donc pour les biberons, j'ai opté pour des biberons Philips Avent, mais en verre. Je voulais pas du plastique. Je voulais la meilleure qualité pour mon bébé. Donc j'ai opté pour du verre. C'est clair que le verre, c'est pas évident parce que ça peut tomber et se casser à n'importe quel moment. Vous pouvez acheter des housses biberons spéciales pour Philips Avent, mais je vois pas l'intérêt si je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de ses objets et je pense pas que je donnerais ça à mon bébé dans ses mains. Je crois pas que c'est nécessaire de le faire, donc voilà. Alors, j'ai pris pour premier âge, alors pour les 120 ml, comme vous pouvez le constater, deux, parce que ça se vend par série de deux. Donc j'en ai pris deux petits comme ceci, 120 ml. C'est des Philips Avent série natural. Donc naturel, ça veut dire c'est effet naturel quoi, pour ce qui est, je dirais, pour la tétine. Assez pratique. Donc pour enlever le bouchon, c'est vraiment pratique. Donc je sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il y a un truc assez écrasé. Vous pouvez mettre votre pouce et juste tirer simplement et ça s'enlève. Donc vous n'avez pas à galérer pour enlever le bouchon. Après, vous avez la tétine qui est là. Et ça dépend. Par exemple, celle-là, elle contient, elle est en silicone. Et elle contient un seul, je dirais, un seul... une seule piqûre, je pense, oui, pour laisser passer, oui, pour laisser passer le liquide. Donc, en vous parlant de ça, alors les tétines qui viennent avec les biberons Philips Avent Natural, donc il y a quatre catégories. Il y a catégorie naissance, catégorie lente, médium et rapide. Donc quand vous achetez les petits biberons de 120 ml, ce qui veut dire naissance, elles viennent avec un seul trou au milieu, du coup c'est naissance. Après, vous avez les 240 ml, c'est-à-dire le double, elles viennent avec deux trous, du coup c'est, je dirais le volume du liquide qui sort, il est de... Je dirais c'est lent, c'est pas naissance, mais c'est plutôt lent. Donc voilà, vous pouvez les changer parce qu'ils sont compatibles. Vous pouvez les échanger entre eux parce qu'ils sont compatibles. Donc voilà, j'en ai pris deux de 240 ml, comme ceci, voilà. Et ensuite, les plus gros sont de 330 ml. Ceux-là n'existent pas en verre, les 330 ml. Il n'existe qu'en plastique. Donc j'ai pris du plastique, mais apparemment c'est un plastique assez spécial, blablabla, je ne sais quoi. Mais bon, dans tous les cas, on ne peut pas échapper au plastique, c'est clair. Les tétines ont un flux, disons, pour les 330 ml, elles viennent avec des tétines de flux moyen. Et je me suis dit, tiens, si le moyen ne fait pas le nécessaire, je prendrai deux tétines de flux rapide qui viennent... que vous pouvez acheter de côté, que vous pouvez acheter séparément. Donc voilà, elles sont là. Donc voilà, c'est des tétines qui sont assez bien, je pense, bien conçues, bien faites. Et elles contiennent, les plus rapides, elles contiennent 4 trous. Donc je me suis dit, au cas où mon bébé ne sera pas à l'aise avec le flux moyen, j'utiliserai un flux rapide. Et je peux toujours remplacer dans les biberons, etc. Donc voilà, ça c'était pour les biberons. Ensuite, bien sûr, pour remplir les biberons, si vous sortez quelque part, vous avez besoin de petites dosettes. Donc voilà, ça je ne l'ai pas acheté, donc je ne pourrai pas vous mettre le lien en barre d'infos. Donc il y a deux styles, ça on me les a offerts. Donc il y a ça, c'est des petites dosettes de lait. Donc si vous sortez, vous n'êtes pas obligé de prendre du lait en poudre avec vous. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont comme ceci que je trouve plus pratiques. Donc ce genre-là, c'est des, je dirais plutôt
quand c'est terminé, vous pouvez la mettre en bas, comme ceci, et fermer, comme ceci. Et du coup, ça rétrécit. Et quand ça rétrécit, ça prend moins de place dans le sac. Donc voilà, ça c'était pour les petites dosettes de lait. N'oubliez pas qu'il faut toujours, que c'est nécessaire d'avoir des bavoirs. Les bavoirs, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, ça dépend ce que vous voulez. Donc ici par exemple, j'ai des bavoirs que j'ai achetés de chez Moyen. Et aussi plus énorme que ça, que je vais vous montrer. C'est genre tablier, carrément tablier pour manger tranquillement. Donc voilà, ça c'est quand le bébé commencera à grandir un petit peu. Donc pour nettoyer, j'ai oublié, pour nettoyer les biberons, donc il vous faut un goupillant, donc voilà, vous pouvez l'avoir sur internet. Le mien, je l'ai acheté sur Amazon, donc il est aussi de la marque Philippe Savin. J'aurais pu trouver autre marque, mais je voulais vraiment de la bonne qualité quoi, et j'ai vu qu'il avait une assez bonne note. Pour les dents du bébé, j'ai pris... Donc ça c'est des petits anneaux pour la dentition du bébé qui commence à avoir des dents. Donc ça se vend comme ceci, vous pouvez le voir. Là, il y a un liquide à l'intérieur, je suppose que c'est de l'eau. Et c'est en silicone, donc vous les mettez au congélateur. Donc ceci s'ouvre et vous avez que ça. Donc vous prenez ça, vous mettez au congélateur. Et après vous le placez. Ensuite le bébé, ça va le soulager quand il mâche ce truc là, quand il est vraiment très froid. Donc après pour ça j'ai pris aussi de chez Philips Avent, j'ai pris des petites boîtes pour la purée du bébé. Donc il y a deux tailles différentes, donc je vous montre la différence. Alors ça c'est je pense la taille la plus grande, c'est du 240 ml. Donc ça vient avec des bouchons comme ça en pile que vous pouvez, donc vous pouvez fermer, ça se ferme bien, c'est étanche. Donc ça coule pas. Et vous avez la taille un peu plus petite qui fait du 180 ml. Donc il y a deux tailles différentes. Et vous avez ici où vous pouvez écrire avec un stylo spécial, celui qu'on utilise par exemple pour écrire sur les sacs congélation. Donc vous pouvez écrire par exemple c'est quoi, ou la date, quand est-ce que vous l'avez fait, etc. Alors ce qui est avantageux avec ça, donc vous avez je pense une dizaine des plus grands et une dizaine des plus petits, de la taille petite. Ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez préparer vos trucs au préalable, vos purées, etc. J'essaierai, Inch'Allah, de vous mettre des recettes spéciales bébé. Et vous pouvez les stocker au congélateur, au frigo, vous pouvez les passer au micro-ondes, vous pouvez les sortir avec vous, demander si vous allez dans un restaurant ou un truc comme ça, qu'il le passe pour vous dans un micro-ondes. Donc sans souci, vous pouvez nourrir votre bébé. Ensuite pour la bouffe du bébé, quand le bébé mange tranquillement, j'ai pris un set pour bébé qui est comme ceci. Donc il contient je dirais une assiette à compartiment comme celle-là, qui est un peu plus grande. L'avantage c'est que déjà la matière elle est superbe, il passe au micro-ondes. Et aussi il y a un genre de, je ne sais pas comment on appelle cette matière, mais c'est comme un plastique qui ne laisse pas glisser l'assiette de la table si votre bébé joue avec ça. Donc voilà, ça va limiter un petit peu les dégâts. Ensuite vous avez un gros bol comme ceci, ou une assiette creuse je dirais. Et vous avez au final un bol comme celui-là qui est plus petit que le précédent. Ça vient aussi avec une cuillère et une fourchette. Voilà. Et pour les pots que je vous ai déjà montrés, ils viennent avec des cuillères comme ça. Donc voilà, j'ai une cuillère avec. Ensuite, maintenant pour chauffer la nourriture du bébé. Donc ça je ne l'ai pas acheté, mais on me l'a offert. Donc c'est un chauffe-biberon spécial pour les Philips Avent. Donc vous pouvez mettre n'importe quel biberon de la marque Philips Avent. Ceux que j'ai achetés, ils rentrent normal, tranquille, jusqu'à 330 ml. Donc c'est maximum pour Philips Avent. Je vous montre à l'intérieur, je ne l'ai pas encore déballé. Donc ça sera une occasion de le déballer. Voilà, le chauffe-biberon électrique, il est comme ceci. Voilà, il est comme ceci. Ici, vous pouvez régler la température du biberon que vous souhaitez.
Et vous pouvez mettre votre vibrant à l'intérieur et fermer tranquille, comme ça vous pouvez surveiller. Donc je vous montre le vibrant, il est à l'intérieur. C'est clair qu'il faut enlever le couvercle. Vous trouverez toutes les informations à l'intérieur de ce chauffe-vibrant. Il est très facile à entretenir, donc il suffit juste de mettre une poudre qui vient avec pour le nettoyer. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi du vinaigre blanc qui est super bien pour nettoyer ce genre de truc, parce qu'à force de les utiliser, il commence à en avoir du calcaire. Ensuite, pour sortir, vous pouvez utiliser un chauffe-vibrant pour la voiture. Donc ça, c'est un chauffe-vibrant pour la voiture. À l'intérieur, je mets le vibrant. Donc voilà, il est comme ceci. À l'intérieur ici, je vais mettre le vibrant, je l'enroule et je ferme. Et puis je peux le brancher, il est électrique. Donc ici vous avez le câble pour le brancher dans la voiture, dans l'allume-cigare. Et voilà, donc ça pourra être utile si on voyage, si on part quelque part. Surtout que la mamie est un petit peu loin de chez nous, donc il faut, faut bien tout prévenir à l'avance, tout préparer à l'avance, comme ça le bébé ne pleure pas en chemin. Ensuite, pour laver le tout, donc vous avez des égouttoirs comme ceci pour égoutter vos vibrants. Donc ça existait en Philips Avent, mais je voulais pas dépenser 18 euros pour un égouttoir, donc j'ai décidé carrément celui-là, j'ai même pas acheté, on me l'a offert, mais j'ai vu sur Amazon qu'il coûtait pas cher, donc je vais essayer de vous mettre un lien, comme ça vous égouttez vos biberons. Les Philips Avent fit parfaitement sur celui-là, mais il faut pas le charger complètement quoi. Ensuite, un dernier, donc vous avez le stérilisateur pour les biberons. Alors ça, c'est un stérilisateur micro-ondes, ça existe aussi en stérilisateur électrique, je dirais. Mais je pense que celui-là peut faire l'affaire. Donc voilà, c'est un stérilisateur de la marque aussi Philips Avent. Je peux mettre toute la série des biberons ici à l'intérieur. Donc je peux mettre tous les biberons Philips Avent ici à l'intérieur. Je peux même stériliser les assiettes, les cuillères, etc. Tout rentre dedans. Et franchement, je trouve ça super bien pratique pour l'hygiène des ustensiles pour nourrir le bébé. Autre chose, pour garder la nourriture bien chaude si vous sortez quelque part, donc ça c'est des petites pochettes ou des petits sacs qui se vendent sur internet qui sont isothermiques. Donc voilà comment ils sont de l'intérieur. Je n'ai pas encore testé celle-là, donc je ne sais pas vraiment si elle est efficace ou pas. Mais celle-là par exemple, elle vient dans un sac allongé que vous allez voir sur, sur ma chaîne. Que vous allez trouver la vidéo sur ma chaîne, sur le sac allongé, etc. Tous les détails, qu'est-ce que j'emporte là-dedans, etc. Donc au final, je vous montre des petites choses qu'on m'a offertes. Donc ici j'ai des petits bavoirs jetables au cas où j'en aurais besoin pour la sortie. Et au final aussi au cas où je pars en voyage dans un hôtel ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'emporter avec moi un stérilisateur. Donc ça c'est des petits sacs pour stériliser les biberons et que vous mettez à l'intérieur des micro-ondes. Je ne sais pas s'ils existent ici ou pas. En tout cas ça c'est marqué en japonais et c'est ma belle-sœur japonaise qui me les a offerts. Donc je sais pas si ça existe, je vais essayer de faire une petite recherche pour vous sur le net et s'il y en a, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais ça c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste un plus pour vous en parler. Donc vous mettez le biberon à l'intérieur, vous fermez, vous mettez au micro-ondes et il sera stérilisé. Donc bien sûr il faut mettre de l'eau, c'est clair. Et puis voilà. Donc c'est marqué en japonais, je sais pas encore comment l'utiliser, mais d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est assez simple, donc pas de panique. Voilà. Pour ce que je ne peux pas vous montrer pour le moment, donc il y a aussi la chaise haute quand le bébé sera un peu plus autonome, qui pourra s'asseoir, qui pourra vous accompagner à la table. Donc la mienne elle est dans le garage et comme il pleut je ne peux pas y aller pour vous la montrer, c'est pas terrible quoi. Et bon, je ne l'ai pas encore sortie parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et aussi j'ai commandé sur Amazon mais je ne les ai pas encore reçus parce que je les ai commandés en dernier. C'est les petits mugs où le bébé pourra, quand il sera autonome, il pourra boire par lui-même avec les deux, je dirais c'est comme une manette quoi, le bébé pourra boire par lui-même. Donc voilà.
Si vous voulez vous assurer vraiment que votre bébé mange bien, donc il y a ce qu'on appelle les pèses bébés. Vous pouvez les trouver un peu partout dans le marché. C'est clair que ça coûte un petit peu cher. Sur le net, peut-être sur Amazon, vous allez en trouver. Le mien s'appelle le petit terraillon. Je ne l'ai pas acheté parce que c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment pas nécessaire. Mais comme on me l'a offert, donc j'ai accepté et il est vraiment, il était tout neuf, donc je l'ai pris pour m'assurer que le bébé mange bien. Donc je pourrais peser le bébé pour en savoir un peu plus. Donc voilà. C'était tout, j'espère que ça vous a plu. Si j'avais, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe. Et s'il y a quelque chose dans trop, si vous pensez que ça ne servira à rien, faites-moi signe aussi. C'est clair qu'il y aura des choses que j'utiliserai pas forcément, mais peut-être que dans l'avenir, il y aura un deuxième bébé ou un troisième, pourquoi pas. Donc pour le moment, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine. Ciao!